Et salut les petits culs, bienvenue pour cette troisième épisode de cette troisième saison avec Johannes Beu. On est un peu dans la sauce, on est dans la difficulté, on est actuellement 8ème, il va falloir faire mieux sur le tir. On sait très bien que ça va être dur de toute manière, il y a deux mecs devant, il y a Roman Heremin et Alexander Andersen. Irrattrapable, on a déjà pris 90 points de retard, on va dire, on va à peu près, on va arrondir avec Thierry Languet, 75 points de retard derrière la Basto, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, il reste quand même beaucoup de place, aujourd'hui, deux étapes à Nove Mesto, le Spring Lama Start, peut-être aller chercher quelque chose, on sait qu'en cas de parfait, on peut accrocher des podiums, on n'a pas encore fait de podium en 3ème division, on peut le faire, je me sens bien aujourd'hui, ça pète aujourd'hui, j'espère que toi tu te sens bien aussi, et que tu vas me donner toute cette puissance qui sommeille en toi. Ouais, j'aime bien chanter de temps en temps. Allez, ça part. Plus 5 degrés. Didiort, farte-moi les skis norvégiens. Je veux que ça glisse, glisse. En vrai, c'est hyper important. Allez, Didier. Il n'y a pas de grand choix de ski pour ce genre de température. Malheureusement, au maximum, on n'aura que 4% d'avantage sur les skis. Mais comme Didier, il a farté ça un petit peu avec les burnes. Et ben, on n'aura pas. On aura 2,5 d'avantage. On va partir avec Thierry Languet. Enfin, il sera juste derrière nous. Que vous dites Languet ou Languet? On aura Alexander Andersen. Ah, c'est pas motivant ça, parce que souvent il est très très fort, donc ça nous... Après, c'est un bel objectif, hein, toujours se comparer au meilleur. Hein. Mais au moins, se comparer à Thierry Languet. Thierry Languet, il y a vraiment un truc, et on n'aura pas la Basto, on saura à la fin. En tout cas, faire le meilleur sprint possible, récupérer des points sur ces mecs-là, c'est primordial. Et ça démarre maintenant, il faut tout donner, accélérer, être rapide et vif et tonique, et envoyer des petits coups là, des petits à-coups là, c'est bon ça, tu les sens les petits à-coups, il faut les mettre les petits à-coups, les fais-le croire. Faut croire en soi aujourd'hui, hein, mon bonhomme. Hein. Il faut s'envoyer aujourd'hui. Hein. Faut rater. Ouais, voilà, on a à peu près 4% d'avantage sur les skis. Voilà, au moment où je le dis. Au moment où je le dis, ma bouche, putain. Ma bouche est frappée par le karma, quoi. On est connecté. Au moment où je le dis, on perd un petit peu. Hein. Et on a comme un. On a 2 dixièmes de retard sur Jäger. Et là, on a 3 dixièmes d'avance sur Jäger. 3 dixièmes d'avance sur Jäger. C'est bon, ça. On a été bon sur le haut de la piste. On a été bon. Maintenant, à nous d'être bon sur le tir. On a que 2 dixièmes de retard sur Andersen. Franchement, c'est pas grand chose. Ah, j'espère qu'on va sortir des bons tirs. Ce serait une bonne idée. On a 179 de BPM. On va essayer de monter un petit peu. Ça nous fait pas monter. 181, voilà. 180, c'est peut-être pas mal. 181, le temps d'arriver, on sera à 175. Il y a une vraie gestion de BPM. Parce que si tu descends en dessous de 160, on l'a vécu. Le fusil fait n'importe quoi. Et j'ai pas le temps de regarder le BPM au moment où je tire. Allez, concentré. Pas mal. En contrôle, un petit peu en bagarre contre le fusil, mais pas mal du tout. Allez, on essaye de sortir le plus vite possible, allez mon con. Allez, des petits à-coups là. Un maximum d'avance. Franchement, je pense qu'on a tiré vite quand même. Je pense qu'on est aux alentours de 7 secondes. J'ai l'impression qu'on a quand même engagé le tir assez vite. Andersen qui blanchit tout. Thierry Languet, on va essayer de regarder peut-être, je sais pas. Thierry Languet, comme il n'y a que 2 courses aujourd'hui, on peut peut-être en faire un petit peu plus. On est devant Andersen d'une seconde, c'est énorme. C'est énorme aujourd'hui. C'est énorme ce qu'on propose. Après, on sait qu'on va perdre sans doute un petit peu de temps sur le ski, malheureusement. Thierry qui fait une faute. C'est bon, ça. C'est bon, on va lui reprendre des points, j'allais dire. Allez, faut qu'on soit encore fort, quoi. Faut qu'on soit fort, faut qu'on soit précis. Bon, il y a un monstre là derrière moi, là, apparemment. Il y a un mec qui a envie d'accélérer. Bon, c'est pas mal. On est motivé, il reste un tir debout. Et on se jette un 3 secondes 7 d'avance sur un Stelskolov. Et 4 secondes d'avance sur Jäger. Alors qu'il y a sans doute Andersen qui va arriver. Est-ce qu'il est devant nous? Andersen qui est à 6 dixièmes derrière nous pour le moment. Il nous a repris un petit peu sur le premier temps. Mais pas tant sur le deuxième. Là j'allais accélérer, mais il faut pas trop accélérer. Ah, peut-être une petite accélération de rien du tout. Une petite accélération de rien du tout. Là on est à 177, c'est pas mal. Peut-être une petite accélération là. Voilà, on est à 180, c'est pas grave. Faut pas monter à 190, mais tu vois, faut pas être trop bas non plus en BPM. Un peu chelou, mais c'est comme ça. Oh là là. Elle est complètement dedans! Vous l'avez vu, elle est complètement dedans! Mais on fait une course exceptionnelle! Elle est à 98% dedans! Putain, il y a tout l'impact qui est dedans. Oh non, c'est des enculés, pardon, mais là. Oh non. Non. Putain, on fait une course de dingue, quoi. Non, je suis pas armé pour vivre ça. Vous avez vu l'impact? Est-ce que vous avez vu l'impact? Retournez, faites un arrêt sur image. Vous allez être choqués comme moi. En plus, on a mis un petit peu de temps à l'engager, ça fait chier. Et Thierry Languet là qui fait tout là, putain non! Oh c'est trop!
Et on en termine, hein. On a 8 secondes de retard sur Andersen. Alors c'est peut-être que ça aurait pas suffi, tu vois. Parce qu'un tour de pénal, c'est à peu près 7 secondes 5. Ça aurait sans doute pas suffi pour la win. On aurait été quand même pas très très loin de lui, franchement. Franchement, on l'a regardé dans les yeux aujourd'hui, je suis un peu dégoûté là. J'ai l'impression de m'être fait voler, honnêtement, je vous le dis. Hein. J'ai l'impression de m'être fait voler par les juges. Parce que vraiment, elle était en plein dedans. Ah ouais, non, là, vraiment, c'est du vol. 7 secondes 3 d'avance. Après, vous allez voir, 7 secondes 7 finalement de retard. Si Thierry est devant nous, ok, bon, heureusement, on met Thierry derrière nous. Bon, Eremin, Eremin, on l'aurait été... Ah, là, Basto est devant nous, putain. Il est là, le vol, quoi. On aurait été devant la Basto. On est devant René Zach, non, on est devant Christian Go, derrière, je veux dire. Non, mais attends. Ah non, elle nous coûte cher, cette balle. Ah, je suis dégoûté, vraiment, premier degré, je suis dégoûté. 5 secondes 9, j'ai senti que c'était rapide. Et l'autre, on fait... En vrai, c'est pas si mal, 7 secondes 7. On a mis du temps à l'engager, mais la faute, elle y est jamais, quoi. La faute, elle y est jamais. Par contre, le 5-9, il est beau. Oh non, je suis écœuré. Vraiment. Ça doit se jouer pixel, quoi. Ça doit se jouer au pixel près. Bon, bah, toute cette colère, tout cet énervement, il faut le concentrer bien, bien, bien dans leur gueule au niveau de la mastart. Entre 0 et moins 5 degrés, il y aura de la neige. On va essayer de se calibrer et de faire la meilleure mastart possible. Et je peux dire que ça va sacrément jouer des coudes. On a pris une décision forte avec Didier. On a décidé d'avoir un fartage très rapide avec les fasters, bien sûr. On est très faster, hein, bien sûr, dans la team norvégienne. On partira donc dans l'ordre du classement général. Donc l'information, c'est qu'on est 6e. On était 8e ou 9e, je sais plus. On est remonté devant Timbal Horn. On doit pas être si loin de ça que de Thierry Langer. On doit être, bah, je sais pas, à peu près à 90 points, je pense, tu vois. 80 points, 90 points. Il faut qu'on lui prenne du temps aujourd'hui. Il faut qu'on prenne du temps sur Thierry, sur Renta, sans en perdre trop sur Timbal. Donc Thierry, Renta, Labasto à la limite, Timbal et Horn. Faut que j'essaie de retenir ces mecs-là. C'est vraiment l'objectif, hein, d'être devant ces mecs-là. Allez, et puis d'essayer d'être ni plus ni moins qu'un très très grand Norvégien aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez. D'entrée de jeu, ils nous mettent des petits culs, là. Il faut être en gestion, hein, il y a 5 tours aujourd'hui. 5 tours, c'est long. On est dans le groupe, hein, on est pas mal sur le haut. On arrive à la récupérer un petit peu. On met un petit coup d'accel avant de se lancer. On est quasiment à 5%. On doit être à 4% d'avantage sur les skis. C'est pas mal. Le premier tir va être déterminant sur cette master pour ne pas être à coller au mec, quoi. C'est ça qui est important. On voit Renin, hein, il est vraiment pas dans la même course. Faut vraiment qu'on soit pas collé. Je mets un petit coup d'accel pour faire monter un peu le BPM. Stratégie américaine, bien sûr. Un peu là, voilà. On a fait. On est à 177 de BPM, 175. Peut-être un petit coup. Voilà, on est remonté à 180. C'est bien. C'est bien, c'est peut-être trop, je sais pas. J'aurais peut-être pu. Ouais, j'étais peut-être pas obligé, je sais pas. J'aurais pu. Pas mal. Et Thierry qui part en couille. Thierry qui fait 3-0. Salut mon con, ça dégage. On a tiré extrêmement vite. Après, voilà, les cibles se sont très bien présentées devant nous, on va pas se mentir. Je pense qu'en termes de BP, on était pas mal. Les cibles sont vraiment bien enchaînées les trois dernières. J'ai de la chance, il faut aussi le reconnaître. Quand le fusil, bah je sais pas, quand on le contrôle bien, que le fusil vraiment nous fait ça. Bon voilà, le talent du tireur, c'est juste de prendre sa chance, quoi. Donc ça va. On est avec donc Andersen, Eremin est loin devant. Et on est avec Nikita Labasto aussi. On est bien, on est lancé sur Zelda Start. C'est bien, ça va être la bataille. Hein. Allez, on se lance. Donc on a Andersen devant, Labasto derrière et Jaco Renta, le bon Jaco Kelo aussi. Timbal, ça a l'air d'être loin. Thierry, ça a l'air d'être loin. Et l'Allemand, je crois qu'il y avait un Allemand, je sais plus qui. Horn, je crois. Il a l'air d'être loin aussi. Donc on est pas si mal. On est à 180 de BPM. On en met une petite. Allez, on en met une petite peut-être. Voilà, on passe à 180 de BPM. Ça nous réussit pour le moment. On va tirer en 3. Donc on a le temps de faire baisser. Faire baisser le cardio tout en prenant un petit peu d'accès juste avant. Ça peut être pas mal. La dernière qui passe au poil de Bruce. Au poil de Juba. Ouais, c'est pas mal. On va sortir donc fort. On va sortir juste derrière Andersen. Donc Eremin sans faute. Andersen sans faute. La Basto, une petite faute. Fini nos deux fautes. Renta, pas de faute. Et Zakna aussi, deux fautes. C'est bon pour nous. Il nous reste Renta éliminé. Il reste Renta éliminé pour être pas mal.
Allez, 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 on est pas mal, on est lancé dans cette course. On sait qu'Andersen et Rémin, ça va être très compliqué à suivre. Mais nous, on est pas mal, on a un bon fartage en plus, les températures qui sont bonnes pour nous. Là, je crois qu'on peut faire quelque chose de grand, là. On a fait un très grand premier tir et un deuxième un peu chanceux, mais il le fallait. Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est l'autonomie. En termes d'endurance, on est bien, bien fatigué. On est bien atteint. Ah, ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment très, 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 très dur. Je sais pas si j'ai dit assez de traits, mais vous avez compris. Là, on en remet une petite, là. Allez, ça monte à combien? 183, c'est pas trop mal. 183, c'est un peu géré. 180, c'est pas mal, je pense. Ah, j'hésite à en mettre une petite en plus. Ah, j'hésite. Non, non, on va rester à 175. Ça va nous faire baisser. Il va falloir tirer vite. Il va falloir tirer vite. Allez. Oh, le glitch, putain, nique ta mère, sérieux. Le saut juste au dernier, juste avant, putain, non. Non, on avait tiré quand même pas trop trop vite, mais pas trop lentement non plus. Andersen qui avait fait une erreur en plus. Oh non, sérieux, le petit saut de... Non, ça me dégoûte, sérieux. Là, clairement, le jeu, il veut pas de nous, quoi. On est septième, mec, dis-toi qu'on est septième. On fait une super course, on est septième. Sérieusement. Oh non, là, c'est pas honnête, là. Là, c'est pas honnête, là. Le saut, là, il est... Bon, l'avantage, c'est qu'on voit Zakna. Zakna, c'est loin. Horn, c'est loin. Ah ouais, mais sur la Basto, c'est chaud, quoi. Sur la Basto et Ranta, c'est chaud. Putain, je suis dégoûté. Quasiment 9 secondes de retard sur Ranta, en plus. Hein. C'est vraiment... C'est terrible, quoi. Il faudrait que Ranta fasse une petite craquante, quoi. Faut qu'il fasse au moins 2 fautes et que nous, on fasse 100 fautes pour s'en sortir. Ah, je suis désolé, je suis un peu abattu. Je veux pas être aigri, hein. Moi, je suis dans la bonne ambiance, hein. Vraiment, vous le savez, hein. Je suis dans la bonne ambiance, mais là... Franchement, je me donne et tout. J'ai envie de faire des bons résultats, mais quand je vois ça, je suis frustré, quoi. Je suis frustré parce que j'ai l'impression que c'est pas juste. Tu vois, j'ai l'impression de bien tirer. Et là, je prends un glisse dans la gueule, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Oh là 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 là, le tir, là, il fallait l'envoyer. Ranta qui fait une erreur. Eh, seulement une. Et Rémin qui en fait deux. La Basto qui en fait une petite. Est-ce qu'on va réussir? On va sortir trop. On va sortir avec Ranta. Ça va pas être suffisant. Sortir avec Ranta. Oh, c'est Brown qui sort le. Tu vois, tu nous enlèves cette erreur. Je pense qu'on fait podium alors que là, on va se faire gratter, tu vois. La Basto, il est quand même pas loin de nous. Je ne vois pas résister. Je ne vois pas résister au retour de la Basto. Ils en gardent tellement sous le coude sur le dernier. Sur le dernier tour, mais. Pff. Ah, c'est une belle course, c'est une belle mastard, c'est quand même une belle mastard, juste je suis un peu aigri, quoi. On en termine, regardez-moi ça, même Rémin, il nous a tellement gratté sur la fin, tellement gratté, alors qu'il a fait 4 erreurs, il s'en fout. Ah, peut-être sur la glisse, ah, il a voulu nous mettre un petit coup là, j'ai l'impression, là. Agressif, hein. Allez, on va essayer d'envoyer comme on peut, allez, ah, ça va être compliqué de le tenir, d'ailleurs c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on le tient pas, allez, faut qu'on termine au moins. Ah, cette belle cinquième place, c'est pas si mal. 10 secondes 9. Ah, tu nous enlèves 7 secondes, on est deuxième. En plus, devant la Basto et Ranta, je suis triste parce qu'on fait une belle course, putain. On fait une vraie belle course. Ah, c'est dur. C'est dur. Par contre, le point positif. Bon, Andersen, on lui reprend des points. Bon, c'est bien, mais en vrai, Andersen et Rémin, on n'est pas dans la même cour. On perd des points et on perd beaucoup vu qu'Rémin vient se foutre entre nous. On perd énormément de points par rapport à la Basto. On perd beaucoup de points par rapport à Ranta. On en gagne beaucoup par rapport à Thierry Langer, par rapport à Timbal, par rapport à Horn. Le problème, c'est que la quatrième place, j'ai l'impression que c'est plutôt Ranta qui va la prendre. Donc, le nouvel ennemi, ça va pas être Thierry Langer, ça va être Ranta. On va vérifier ça. Bon, je prends 21 secondes sur le ski. Sur le tir, il y a quand même un petit 6.3. Le premier, franchement, on a été prince. Là, on fait un 7.1. Là, on souffre. Et à la fin, ouais, on fait un bon tir, mais on fait pas un tir exceptionnel. Dommage, on en fait qu'un seul sous les 7 secondes. Et ça se joue un petit peu là-dessus. On fait un petit resume. Et on regarde les scores. Et du coup, Thierry Langer, toujours quatrième. On se rapproche de lui néanmoins. On est à 61 points de lui. 61 points de Thierry Langer, franchement, il y a moyen de les faire. Par contre, c'est chaud, quoi. On a deux personnes à gratter. La Basto, il est hyper loin, mec. Il a 130 points d'avance, là. C'est 120 points, 125 points d'avance.
125 points d'avance, c'est vraiment beaucoup. Après, on est qu'à la troisième étape, hein, mais. Ouais. Franchement, j'ai pris un petit coup. Ah, on a qu'un point d'avance sur Jake Brown, qui a gagné la course aussi en même temps. Attends, putain, c'est ça aussi. Tu gagnes une course, tu mets 90 points, mec. Franchement, il faudrait qu'on trouve le moyen de gagner une course, quoi. Juste trouver le moyen de gagner une course. Et puis voilà, y a que ça à faire, en fait. Il n'y a que ça à faire, là, mec. Bon, et ben voilà pour cette séance. C'est pas si mal. Toujours pas de podium, mais franchement, une belle étape de Nové Mesto. Beijing, on n'aime pas trop la piste. C'est relou. Östersund, ça peut aller. On peut récupérer des trucs. On sait que Beijing, c'est pas chez nous. Il y aura un petit sprint, ma start, course individuelle. J'espère qu'on va pas être nul. Bah, tu verras ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que t'as kiffé. Et puis à très vite. Ciao, mon pote.